3, 2, 1, go. Ok, nous revoilà. Salut à tous et à toutes, c'est pas assez fun. Excusez-moi, j'ai oublié comment YouTube pour une petite seconde. On va retourner un nouvel épisode de Tomber 1 de 10 minutes. Blubloubloub. Attendez, j'ai mes engrenages. Hein. Ouais, ok, parce que pendant une seconde, en fait, quand j'ai enregistré l'épisode. Ok. Formule ta phrase dans ta tête, Balzéphone, dis-la ensuite. Ok. Quand j'ai arrêté d'enregistrer l'épisode de juste avant, j'étais pas certain d'avoir sauvegardé. Et j'avais déjà fait un retour bureau. Et le truc, c'est que je dois relancer le jeu entre chaque épisode. Parce que le jeu me dit non, vous savez. Ok, ça c'est. Tout le monde s'en fout de cette porte. Ok. Le jeu me dit non à chaque fois que je fais un retour Windows. Parce que entre chaque épisode, je dois arrêter Audacity pour avoir le fichier audio qui est séparé. De mon fichier vidéo, comme ça, ça me permet de pouvoir régler le son, vous savez, comme ça, le son du jeu n'est pas trop fort, parce que vous pouvez voir ça dans mon premier Let's Play sur Tomb Raider 1, c'est que souvent le son du jeu est soit trop bas, soit trop fort, c'est ce que je papote, laisse-moi monter là, oh, ok, bon, vous savez quoi, on va la refaire. J'ai cru que j'allais mourir, mais c'est pas grave. On va la refaire. Donc comme ça, ça me permet de pouvoir avoir le son à la bonne, au bon volume. Comme ça, vous pouvez entendre les ambiances, je peux aussi jouer dessus, rajouter des musiques. Bon, pas dans ce Let's Play, parce que là maintenant, vu que je reviens genre à mes roots, je mets plus de musique, je fais plus vraiment d'édits sur mes épisodes. Parce que vous savez, ça nous permet de passer un petit moment ensemble, puis c'est un petit moment de 10 minutes, donc fun. Et c'est pour ça aussi que je fais en sorte que l'intro soit plus courte. Et que je sois pas en mode, ouais, pendant 50 ans, en train de t'expliquer ce qui se passe, vous savez. Que littéralement, regardez l'épisode d'avant, quoi, what? Ils sont pas longs. Il y en a que 3 pour l'instant. Je suis déjà tout en bas. Les petits. Vous entendez l'église? J'habite près d'une église. Et elle fait ding ding, là tout de suite, parce qu'il est 19h. Oh, ok. Oh non, merde, il est 19h, c'est-à-dire qu'il va y avoir le dong, 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 dong. Ok, bon. On va être là avec l'église qui fait dang dang dang. J'espère que ça va vous plaire. Moi je dis c'est funnily fun fun. En fait c'est parce que j'ai ok, que je vous explique. J'ai déménagé pendant 1 an et demi et j'habitais en Suisse avec Maya. Et j'étais supposé partir vivre aux États-Unis avec elle, mais en gros je me suis fait déporter pour aucune raison. Donc oui, ils m'ont gentiment dit ok, en fait vous pouvez pas venir ici. Et ils m'ont renvoyé en Angleterre. Donc en fait j'ai dû retourner chez moi, genre, et Maya a décidé de rester vivre aux États-Unis. Donc maintenant je re-habite dans le nord de la France. Et sauf que mes parents, ils ont donné ma grande chambre à ma petite soeur pendant que j'étais parti, parce qu'ils pensaient pas à moi non plus que ah, il me manque un engrenage, fuck. Ok, c'est pas grave, on va aller le chercher. Vu que personne pensait que j'allais revenir vivre ici, on était tous un peu en mode what. Donc c'est nul. Donc maintenant j'ai la chambre du milieu, et la chambre du milieu, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a une petite fenêtre qui mène pile devant l'église. Donc le ding 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 ding, vous entendez, j'entends tout aussi fort. Donc c'est fun, perso j'adore, parce que j'ai vécu ici littéralement toute mon enfance. Donc je sais pas trop où je vais, non c'est pas ça la fin de ma phrase, mais j'ai vécu ici toute mon enfance, donc pour moi c'est beaucoup de bons souvenirs, j'aime beaucoup cette maison. Mes parents m'en marquent, j'y vive, mais mais moi je m'amuse bien. Non, honnêtement, j'ai du mal à me faire de l'argent avec mon boulot d'artiste, etc. Et j'ai une grosse angoisse sociale, hein, donc c'est toujours fun. Ce qui fait que et je suis très perfectionniste et en plus j'ai un manque d'attention. Ce qui fait que, en gros, je suis toujours un gros paumé tête en l'air qui sait pas parler aux gens. Parce qu'en fait, vous savez, comme je suis bizarre dans mes vidéos, je suis pareil en vrai, en fait. Et j'ai trop du mal à m'en empêcher, les gens en vrai. Genre, en public, de raconter des conneries, puis faire « Oh my god !» Le truc, c'est que, vous savez, c'est pas socialement acceptable. Donc voilà. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un engrenage là-dedans? Enfin, vous m'avez rien dit, mais... Je me parle plutôt à moi-même. Il y a quoi ici? À part de la douleur pour la poitrine de Lara. Il y a rien. Je veux quand même aller dedans, juste au cas où, parce que vous savez, des fois, je suis vraiment paumé. Je me rends pas trop compte. L'église, elle est toujours en mode my god fan. Elle passe un bon moment, vous savez. Je vois, y a rien avec la planche. J'étais là, ça va pas, monsieur dame. Doit y avoir un truc là-dedans, je me rappelle. Je sais pas pourquoi j'ai des souvenirs qu'il y avait quelque chose là-dedans.
Mais si, y a rien, vous savez, je peux pas trop insister, ça peut pas faire apparaître le truc. Mais genre le Vélociraptor, non, Vélociraptor c'est dans les airs. Ce petit dinosaure, il avait rien pour moi. Il m'a amené juste ici. Ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donnez-moi mon village. Oh my god, ça commence. Ça y est, c'est la vie. Je commençais à chanter à propos des engrenages que j'ai pas. Oh my god, dites-moi que c'est par ici. Ouf. La rage est en mode. Ouf. Fucking ouf, hein, bitch. Un secret. Waouh. Encore des munitions pour une arme que j'ai pas. Ah ça. On passe un bon moment ici sur la chaîne à Balzéphone. Vous inquiétez pas, je vais finir par... Honnêtement, si je trouve toujours pas l'engrenage à la fin de cet épisode, c'est chill. Je regarderai un tuto. Il y a nulle part où aller. Je sais pas pourquoi je suis perché là-dessus. Ah merde. Peut-être au centre. Ça glisse. Non, ça doit glisser, ça c'est... Ouais. Regardez-moi, je connais exactement le... La pente que doit avoir un bloc pour glisser, bitch. Je suis trop un pro. Je trouve même pas le dernier engrenage, mais... Ok, je retourne là-dedans. Ah, ou pas. Attends, c'est ce que je voulais. Je voulais être rapide et faire genre... Wouhou. Et au final, j'ai fait ouf. Maintenant, ma vie, ouf. Est-ce que... Est-ce que je peux trouver mon engrenage? Ok, vas-y. Attendez. Il faut que je parle à Siri en anglais, mais je vais lui demander où est l'engrenage. Ok, Siri. C'est pas ça qu'on dit? Siri. Ouais, ok, c'est pour Google. Hey, Siri. Where can I find the cogs in Tomb Raider 1? Ok, j'ai compris. Siri, t'as calme. Ok, attendez. Je vais regarder. Vous inquiétez pas, je regarde. Ok, ils me disent d'aller là-dedans. Ils s'appellent des Vélociraptors. J'avais raison tout ce temps. Oh my god. The more you know. Okay. J'ai mis une photo. Ok, je sais plus comment jouer à Tomb Raider. J'avais mes doigts sur Z, S, Q, D. Alors que c'est les flèches. Bon, c'est pas grave. Enfin, comme c'était pas passé. Ok, attendez. Faut que je référence. Ok, cette photo, je la montrerai sur l'écran. Si j'y pense, hein. Ok, il faut... Quand je trouve ces deux buissons, là... Ok, où sont ces deux buissons? Il y a un des buissons, là. Est-ce que c'est toi? C'est pas toi sur la photo, dégage. Ok, ils disent qu'il y en a un là-dedans. Ok, parce qu'il y a ces deux buissons et ils montrent l'entrée de la grotte, là. Ils savent que moi, j'avais été plusieurs fois dans cette grotte-là. Attendez, c'est moi où j'entends un vélociraptor? Je suis jamais venu ici. Bonjour. Bonjour, y a-t-il un vélociraptor? Oh my god! Mais je suis. Ça se fout de ma gueule? Genre, je suis pas venu ici. Ok, pourquoi je suis super confus? Peut-être que je confonds avec mon ancien let's play. Je ne sais pas. Oh my god! Ok, on a trouvé. Donc, merci, Gamer Walkthrough. C'était quoi le site? Je ne sais plus. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est un bon site. Donc, checkez-le si vous voulez des solus. Ça peut être pas mal. Fun. Où est ce fucking engrenage? Vous allez voir, je suis trop dichromate, je vais louper. Ok, si vous savez pas, je suis dichromate. C'est comme Daltonien, mais genre en super pire. Surtout que j'ai la pire version d'être dichromate, donc je vois l'herbe orange. Et je vois les nuages roses. Mais c'est pas bizarre pour moi, c'est tout à fait normal. Pour moi, ce serait bizarre de voir l'herbe orange. Le problème, c'est que mon chien, je le vois aussi orange. Ce qui fait que quand mon chien court dans l'herbe, je ne le vois pas. C'est super con, franchement, mais je vois que ça truffait ses yeux à chaque fois. Ouais, il est super mignon, alors ça dérange pas. Mais bon. Regardez une photo de mon chien, voilà, je l'ai mise. Oh my god, ce sera l'épisode qui aura le plus d'édits. Je fais pas ça le prochain épisode, oh my god, flemme. Imaginez si je faisais ça dans tous les épisodes. Je dois déjà faire ça dans tous les épisodes des Sims, on va tous se calmer. Ces épisodes sont chill. Déjà j'ai dû couper... Oh my god, j'ai pas eu peur. Oh my god, j'ai pas eu peur. Ok, donc l'épisode est techniquement terminé. Mais je vais le continuer un petit peu. Ok, je crois que je suis en train de gueuler parce que j'ai mon casque sur les oreilles. Donc j'ai enlevé une oreille. De mon casque. J'ai enlevé mon casque d'une oreille. Ok. J'ai pas enlevé mes oreilles. Je suis pas Monsieur Patate. Encore une fois, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette série. On en profite du hors-temps de. Après les 10 minutes.
pour papotiner, comme d'habitude. J'essaie de faire en sorte que ce soit genre super chill. Au fait, c'est absolument pas comme ça qu'on est supposé retourner, je pense, à la cascade. Mais je suis bon à Tomb Raider. Genre, toutes les techniques de speedrun, je les ai quand j'étais petit. Et je me dis, mais oh my god, j'étais intelligent comment quand j'avais genre 6 ans, what? Parce que, genre, vous voyez, ce jeu, il est sorti en 96. Je suis né en 93. J'ai commencé à jouer à Tomb Raider quand j'avais 6 ans. Donc, en 99. My god, je suis vieux. Je suis un 90s boy. Donc, j'ai connu les petits MP3. J'avais un Sony Ericsson rouge à clapper quand j'étais au lycée. Mais je sais que la plupart des gens qui me regardent, ils sont plus jeunes que moi. Mais ça y est, vous commencez à avoir un bon âge, vous commencez à être plus mature. Donc, je pense que ces vidéos devraient plus vous parler que regarder mes vieux let's play où j'étais un peu un bébé. Enfin, je dis ça, j'avais quand même 24 ans, mais... 24? What the fuck, je raconte? J'avais genre 19 ans. Oh, j'étais vraiment un bébé. Oh my god. Oh my god. Excusez-moi, j'avais envie de chanter ça, je sais pas pourquoi. Je fais aucune fucking sauvegarde YOLO. Ok, j'ai failli me bouffer ce mur, mais pour ma défense, j'avais oublié que c'était plus haut. Y'a deux passages différents, what? J'étais pas au courant. Vous savez quoi, on va prendre un raccourci. Fucking YOLO, j'ai pas sauvegardé, je crois, mais c'est pas grave. Ok, non, nickel. Regardez, comme ça, je suis genre super rapide. Speedrun, honnêtement. Comme ça, on aura quand même fait ça. Et tout ce qu'on aura à faire dans le prochain épisode, c'est retourner là-bas, tabasser Carson, vous savez, le beau gosse, musclé et tout. Carson. Et ensuite, ce sera la fin du niveau. Yay! Progression. Je vais refaire celui-là, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3. Je suis super motivé. Fun, fun, fun. On va sauvegarder et on va finir cet épisode-là pour aujourd'hui. Yes! Enfin, j'ai pour aujourd'hui, ça tombe, vous en aurez deux. C'est aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel jour on est. Je ne sais pas quelle année on est, honnêtement. Je ne sais pas vraiment où je suis. Excusez-moi, mon fauteuil grince à mort parce que je change de place et je vais prendre une gorgée de mon café. J'espère que vous avez pris un café pour cet épisode. Ou un chocolat, parce que si c'est le soir, évitez de boire du café, c'est pas bon pour vous. Et vous allez mal dormir. Honnêtement, vous pouvez pas bien dormir après regarder mes épisodes, c'est pas possible. Mais enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça aide la chaîne. À commenter, ça aide la chaîne. À vous abonner, ça aide la chaîne. Et salut, parce que ça aide la chaîne. Non, ok. Bye bye.